Voilà. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allez-y, allez-y maintenant, mon cher. Je peux commencer. Cher Go, voilà, allez-y. Voilà, parce que pour vous, là, ça, on ne prend pas ça en compte. D'accord. Ce qui est sûr, là, c'est ce qui se passe ici, là. Donc, voilà, je suis Michel Gou, docteur en recherche footballistique. Je suis sur le plateau. Comme vous l'avez constaté, la CAN est partie. Hein. Voilà le Burkina qui s'est fait dévorer, c'est-à-dire le cheval s'est fait dévorer par le lion. Je ne vais pas être seul à vous décrypter ça. Je suis avec quelqu'un qui se fait appeler footologue. Et footologue, Digbe Cravate. Voilà, je pense qu'on va aller très vite. On va aller très vite parce que là, le match est parti très vite. Oui, oui, oui. Voilà, 90 minutes, mais on n'a pas vu vraiment le temps passer. Vraiment, vraiment. Et là, sincèrement, le Burkina a joué ballon. Le Burkina a joué ballon, mais il faut dire qu'on ne joue pas ballon comme ça dans le billard ou on ne fait pas un classement dans le billard. Moi, je pense que c'est une compétition où on est venu pour jouer au foot. Mais j'ai retrouvé des sacs de riz sur le terrain et moi, j'étais surpris. Quand vous prenez l'entraîneur, il s'appelle Malo. Vous prenez le numéro 5, il s'appelle Malo. Alors que Malo, en malinqué, ça veut dire du riz. Comment vous pouvez venir dans une compétition qui est la CAN et venir avec des sacs de riz? Vous voulez gagner comment? Non, je comprends ta position parce que toi, le Cameroun, c'est tes parents. Les Camerounais, là, c'est tes parents. Parce que parmi les Camerounais, j'ai trouvé un gamaleux. Après un gamaleux, il y a un gadeux. Après un gadeux, il y a Digbe. Donc ça veut dire que c'est la famille. C'est ça en fait. Un Camerounais de souche. Non, moi je ne suis pas Camerounais. La preuve, on prend déjà le penalty. Le premier penalty. Oui. En réalité. Le premier penalty. En réalité, ce n'est pas un penalty. Il suffit d'un élan du cœur pour profiter davantage de chaque jour. Avec Kyrène, votre nouvelle eau minérale naturelle, pure et équilibrée. Kyrène, soif de vivre. De l'eau dans ta tête ou quoi? Quand quelqu'un, voilà, quelqu'un, revenez sur l'action, l'action qui a amené le pénalty. Voilà, revenez sur l'action qui a amené le pénalty. Voilà, regarde. Où il a mis le pied? Où il a mis le pied? Bertrand, c'est qui? Je ne parle pas de Bertrand, j'ai dit où il a mis le pied. Bertrand, c'est un attaquant. Toi, tu es un homme. Tu es un homme. Et ce qui fait de toi un homme, c'est ce que tu as. Maintenant, lui aussi, il est un homme. Il a une famille à nourrir. Toi, tu as une famille. Oui. Maintenant, on dit jouer ballon. Oui. Toi, tu laisses ballon, tu mets ton pied ici. Oui. Tu cherches quoi? Non, attends, tu cherches quoi? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Si. Il faut aller t'asseoir là-bas. Quand il a mis le pied ici, là, c'est pour chercher quoi? Maintenant, s'il a tout cassé, ça devient quoi? Non, moi, je vous dis. C'est un penalty. Non, c'est pas possible. Regarde par exemple le deuxième penalty. Attends, comme le pénalty aussi. Non, là, il n'y a pas pénalty. Si, il y a pénalty parce que comment j'ai su qu'il y a pénalty? La manière dont le joueur est tombé, il s'est roulé et il a attrapé un pied. Là, on sent que vraiment ce joueur-là a été touché. Le ballon même a senti que le joueur qui l'a shooté était en danger. Non. Quand, tu comprends? Quand en football, quand on se retrouve dans les méandres du football et que la balle riposte et ça part maintenant dans le firmament du stade et que ça revient sur le sol, oui. En ce moment, chaque joueur est conscient et il attend la balle. En ce moment-là, l'attaquant qui est rentré dans la surface de réparation avec le ballon, il avait quelle intention? Moi, en tant que défenseur, je ne vais pas accepter que tu viennes m'humilier dans ma propre maison. Tu racontes quoi même? Donc, tu sais que les gens sont en train de nous regarder. Tu racontes quoi? C'est toi qui racontes, n'importe quoi. Quand on ne connaît pas, là, on demande. Tu as les mêmes analyses que Begré. Moi, il y a des choses que les gens ont eu à dire sur d'autres plateaux là-bas qui ne m'ont pas plu. Et je n'ai pas aimé. Ils ont dit quoi? Non, je n'ai pas aimé. Ils ont dit quoi? Que le Cameroun a contrôlé. À quel moment le Cameroun a contrôlé le jeu? C'est Stéphane qui a dit ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Mais à quel moment? Nous tous, on a regardé le match. Mais on a regardé le match. Qui a gagné le match? Non, ne racontez pas des choses. Les téléspectateurs nous suivent. Et moi, je pense que, en tant que diplômé en footologie, je vais vous dire, chers téléspectateurs de la 3, suivez mes analyses. Je doute de ta formation, Dibé. Je doute de ta formation. Allons, goudron.
semaine.